Merci à tous d'être présents ce soir. C'est une soirée très importante pour vous, c'est une soirée très importante pour nous. C'est la dernière avant-première du film, c'est la émotionnellement, c'est la plus forte. Mais avant de commencer, je me permets d'associer à cette soirée des gens qui sont très importants pour Kev Adams, pour My Family, pour le film. Il s'agit de l'association Une Lettre, Un Sourire, et je me permets d'appeler sur scène Stéphanie Delepoule, sa directrice, ainsi que les membres de l'association. Notre objectif, c'est de sensibiliser les scolaires, les universitaires, les entreprises via leur RSE à l'écriture de lettres bienveillantes. Si, je voudrais vraiment particulièrement, évidemment, remercier ce soir Kev Adams et toute l'équipe du film, parce que pour le numéro 1, il nous avait déjà fait confiance, on était tout petits, on avait 2 ans, et on a suivi les 150 avant-premières, on a fait écrire 25 000 cartes à tous les spectateurs des avant-premières. Donc vraiment merci. Et puis là, on revient avec Maison de retraite numéro 2, à nouveau en jaune. Vous avez tous reçu normalement une carte comme ça, et vous avez tous reçu un bic qui nous a été offert par Bic pour 4 couleurs, gardez-le, surtout c'est un souvenir du film. Mais ces lettres, on veut les récupérer à la fin du film. Il s'agit d'écrire une lettre bienveillante à une personne âgée. Si vous n'avez pas d'idée, vous fermez les yeux, vous imaginez une personne âgée isolée en face de vous. Vous laissez parler votre cœur. Il ne s'agit pas de faire un exercice de style et de rentrer à l'Académie française. Vous parlez avec votre cœur, vous dites qui vous êtes, vous vous présentez, et puis vous écrivez un petit mot doux, un petit mot gentil, un petit mot d'amour. Et voilà. Réaliser l'impact que ça fait, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait des sourires, ça fait du bonheur, ça fait du lien intergénérationnel. Un immense merci à vous tous d'être là ce soir, à toutes vos belles lettres, et puis à toute l'équipe du film qui, à nouveau, nous a fait confiance. Merci beaucoup.